Bonjour les amis, nous revoilà aujourd'hui donc dans l'émission Chef en ligne pour la finition, le façonnage, le moulage et la cuisson de notre foie gras. Hier ensemble, on a assaisonné, on a mis en marinade et maintenant on va le préparer. Donc comme je l'ai indiqué hier, produit relativement fragile, donc toujours règle d'hygiène, le froid, le froid, le froid. On va se rendre au frigo, récupérer l'ensemble de nos marchandises. Le foie gras, une plaque et la terrine qu'on a gardée au frais. On va découvrir notre foie gras. Magnifique, voilà. Magnifique odeur, on le sent. Très peu d'alcool, mais on peut voir donc un foie gras qui a pris la bonne teinte, qui a absorbé, on va dire, le poivre blanc qu'on a mis et le sel. Et donc, normalement, on va être au top. Alors maintenant, on va peser. On va préparer nos petits ballotins de 500 grammes. Pour ça, j'ai donc préparé une petite balance. Une plaque dans laquelle on va mettre nos petits ballotins, ma petite terrine dans laquelle je vais mouler tout à l'heure, voilà. Et je vais de ce pas me laver un petit peu les mains, important, même très très bien vous laver les mains parce que c'est un produit sensible. Alors on peut travailler avec des gants, mais moi je dis toujours il vaut mieux avoir des mains bien propres que des gants sales. Voilà, alors on va se munir d'une fourchette, d'une cuillère. On est à zéro sur la tare et on va préparer nos petits lobes de 500 grammes. Voilà, là, 498 grammes, c'est parfait. Je vais pouvoir le positionner là-dedans. Et bien sûr, on ne va pas vous faire vivre tout ça. Je vais préparer mes 8 x 500 grammes et on se retrouve dans quelques minutes. On va commencer par la terrine. On vous en a parlé hier. Plusieurs possibilités de faire le foie gras. En terrine, en torchon, à l'ancienne, en sous-vide. Et aujourd'hui, on va vous faire découvrir deux de ces techniques parce que les choses ont évolué. On va faire une terrine quand même traditionnelle, comme ça vous pourrez la faire chez vous tranquillement. On cuira par contre avec une méthode un peu moderne, c'est-à-dire qu'on utilisera un four à vapeur. Voilà, parce que l'idéal aujourd'hui, la meilleure conductibilité pour la cuisson juste, c'est l'eau. L'idéal serait une cuisson sous vide et donc on fera également une partie en sous vide comme on fait aujourd'hui dans la partie plutôt restauration professionnelle. Voilà. Mais on va commencer dans un premier temps avec cette petite terrine qu'on a bien nettoyée, qu'on a gardée au froid toute la nuit. Et on va glisser à l'intérieur en forçant. Voilà, c'est important ça. Il faut vraiment que votre terrine soit, qu'il n'y ait pas d'air, qu'il n'y ait pas d'espace entre les morceaux de lobe. Ça, c'est important parce que à cet endroit-là, il peut y avoir une fonte plus rapide et le gras, quelque part, pourrait se dissiper à ce moment-là si vous avez des foie gras qui ne sont pas d'extrême première qualité. Alors là aussi, on peut en parler tranquillement. Hein. Tout est une question de qualité de foie gras. Plus le foie gras et de belle qualité, moins vous aurez de fonte au niveau de votre foie gras. Ensuite, bien sûr, le deuxième point très très important dans le foie gras, c'est la qualité de cuisson hein, qu'on va mettre en œuvre pour obtenir ce résultat. Voilà. Donc là, j'ai mis mes 500 grammes. On verra tout à l'heure que l'idée, c'est de ne jamais dépasser 72 degrés quand vous faites une cuisson en bain-marie au four, pour vous,
hein, tous ceux qui ne sont pas équipés avec un matériel professionnel. L'idée, c'est de ne jamais dépasser 72 degrés au niveau du bain-marie. Et on va dire que la cuisson à cœur du foie gras ne doit pas dépasser, si vous avez une sonde, 56 degrés à cœur pour un foie gras qui soit vraiment de belle qualité. Dans la restauration, on a tendance à les cuire un petit peu moins. On les cuit à 52, 54 pour vraiment avoir du moelleux. Voilà. Donc là, on a notre foie gras qui va être moulé. Il est prêt. On n'a pratiquement plus d'espace. Je vais encore le tasser un petit peu plus, vraiment, vraiment, vraiment le tasser, pour ne pas avoir du tout d'air à l'intérieur. On va le remettre un peu au froid et on le retassera une deuxième fois avant de le mettre en cuisson tout à l'heure. Voilà. Donc on va juste le corner très légèrement comme ça. Voilà. On va positionner maintenant le petit couvercle, on va le remettre au froid et on va vous faire voir comment on va mouler avec du papier film pour le mettre ensuite en sous vide. Voilà. On va doubler le papier, voilà, comme ça. On va positionner là-dedans nos premiers 500 grammes. Alors, ce travail, c'est toujours bien quand on est deux. Un qui donne et qui met le foie gras en place, et le deuxième, lui, qui va mouler. Alors, on va le restructurer un tout petit peu, on va lui redonner une forme, comme ceci. On va maintenant fermer notre petit ballotin, voilà. On va, à ce moment-là, avec la main, vraiment lui redonner la forme du foie gras. Voilà. Pratiquement comme si on refaisait un lobe. On va bien, bien, bien le serrer. Voilà. On évite comme ça, on chasse toutes les bulles d'air qu'il peut y avoir à l'intérieur. Ça, c'est important. Voilà. Et on va, comme ça, le serrer sur le côté, le faire rouler sur votre planche et on va obtenir un magnifique ballotin là d'environ 500 grammes parce qu'on a fait, on était à 498, 500 grammes, voilà, pour qu'on ait 8 ballotins de même gabarit, voilà. Alors ça c'est important aussi, quand vous cuisez du foie gras, il faut que, on va dire, vous allez voir, on va appliquer tout à l'heure une cuisson qui va être de 5 minutes aux 100 grammes. Mais pour ça, il faut que vos ballotins ou vos terrines soient à peu près du même gabarit. Ça veut dire que si celui-ci est rond et qu'il fait environ 18 cm de long, il faudrait qu'ils fassent tous environ entre 18 cm de long sur environ 5-6 cm d'épaisseur. Parce que plus ça va être plat, plus ça va cuire vite quand même. Hein, la pénétration de la température est importante. Donc on va essayer de se caler et on va faire 8 petits ballotins de ce gabarit-là. On va les remettre un petit peu au froid et ensuite on va aller les mettre sous vide. On va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, mais vous verrez, pas d'inquiétude, on en fera une partie en sous vide, mais on en fera aussi donc une partie, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, d'une manière tout à fait traditionnelle, en terrine. Donc là on est en train de mettre les foie gras sous vide. Voilà, donc on a mis notre foie gras sous vide. On va maintenant, pour la terrine, vous faire voir qu'on peut le faire aussi en cuisson complètement traditionnelle. Donc je le disais tout à l'heure, on pourrait, dans d'excellentes conditions, si on voulait le cuire dans un bain-marie, c'est-à-dire que c'est un petit support dans lequel on mettrait de l'eau, on pourrait poser la terrine dedans. Et donc là, obligation de ne pas dépasser 72 à 73 degrés à l'intérieur du bain-marie, parce qu'il y aurait une fonte trop importante de notre foie gras. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va, d'une manière complètement traditionnelle, cuire dans notre terrine. Simplement, on va, comme je l'avais dit tout à l'heure, retasser un petit peu ce foie gras. Ça, c'est important, parce qu'il faut vraiment qu'il soit très, très, très fortement tassé pour éviter qu'il n'y ait des bulles d'air à l'intérieur. Une fois que tout s'est bien tassé, on va le retirer. On va y mettre
notre petit couvercle, on va corner très légèrement, comme on avait fait tout à l'heure. On va positionner ça comme ça. Et on va maintenant filmer la terrine. Voilà, on va bien le fermer. Comme si on était... Comme si vous vouliez complètement isoler toute cette terrine, comme ça. Voilà, on va le couper. On va bien le fermer. On peut le voir ici aussi, un petit trou dans lequel on peut normalement mettre une sonde. Ça, c'est quand on le fait en cuisson complètement traditionnelle. Là, on est sur un magnifique matériel. Hein. On est sur un four Jorick qui est vraiment d'une très, très grande régularité. Mais chez vous aussi, aujourd'hui, on trouve des fours qui sont fantastiques. On va se mettre en position vapeur. Voilà. On va régler pleine puissance en vapeur et on va mettre 63 degrés. Voilà, en ayant fait souvent les tests, c'est pour moi presque la température idéale pour la cuisson de notre foie gras. On va le mettre en route et on va positionner notre timer sur 25 minutes au moment où on va l'engager dans le four. Pourquoi ? Parce que l'idéal, c'est d'avoir quelque part 5 minutes de cuisson pour 100 g de produit. Voilà. Alors là, maintenant, on va vous faire voir comment on rétracte ces fameux sachets. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je vais le mettre, si Jean-Michel peut, voilà. On a un sachet donc qui est relativement souple. Et on va maintenant, vous allez voir, on va l'emmener, on va le tremper dans l'eau bouillante. Voilà, vous allez me suivre, comme si vous y étiez. Voilà, on a de l'eau bouillante ici. Hein. On va tremper le sachet là-dedans, quelques secondes. Voilà. Et vous allez voir, je vais revenir, vous voir ici, on va repasser au-dessus, et on peut voir donc ce sachet qui, avec l'eau bouillante, a complètement emprisonné votre foie gras et lui donne cette forme bien ronde. Voilà. Donc on va faire ce travail avec l'ensemble des petits boudins et on va ensuite le mettre en cuisson à 63 degrés. Donc, comme on vous le disait, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, ce qui est absolument très très important dans le cadre du foie gras, c'est bien sûr la préparation, le salage, l'assaisonnement, la marinade, oui ou non, si vous en avez envie. Et ensuite, bien sûr, toutes ces préparations de moulage, de préparation quelque part à la cuisson. Voilà. Alors, on va disposer ça maintenant sur notre grille qui est là. Et on va passer au four à 63 degrés pendant 25 minutes. Voilà. On va les espacer un petit peu pour qu'ils aient de la place. Allez, vous allez m'accompagner au four. Il est à 63 degrés. On va l'ouvrir. Pleine vapeur. Je glisse là-dedans ma grille. Voilà. On va rajouter en plus une petite grille, une petite plaque dans laquelle on va disposer notre terrine. Voilà. Alors la terrine, comme il y a cette barrière au niveau de la terrine, on le laissera quelques minutes supplémentaires, 2 ou 3 minutes supplémentaires. Voilà, on va régler donc ici sur 25 minutes. Et pendant ces 25 minutes, on va avoir le temps de ranger, de remettre tout en état et vous allez voir, on va découvrir une petite émission avec Jean-Michel Truchelu qui va nous expliquer un petit peu l'histoire du foie gras. Et vous verrez, c'est aussi quelque chose qui est très, très intéressant. À tout de suite, on se retrouve pour la sortie du foie gras du four dans 25 minutes. Alors, voilà, le four nous appelle. On a donc maintenant pratiquement 25 minutes de cuisson pour les premiers foie gras. On va les sortir. Comme indiqué, on va laisser quelques minutes supplémentaires, 2-3 minutes supplémentaires, notre petite terrine. Voilà, donc on va re-régler ici sur on va mettre 3 minutes supplémentaires, voilà, à cause du support qu'on avait au départ, hein, comme je vous l'avais indiqué. Et on va regarder un tout petit peu nos foie gras qui sont là. Voilà. Alors, on peut les regarder, pour l'instant, ils sont très très souples. Et on peut le voir de très très près. On a vraiment ici un foie gras qui a à la fois la forme, très très peu d'écoulement de graisse tout autour, toute petite pellicule. Et là aussi, c'est une question de qualité de foie gras. Alors on va le laisser comme ceci, on va le laisser tirer un petit peu à cette température-là, et vous verrez, un jour Jean-Michel
vous l'expliquera vraiment en détail, parce qu'il y a, une chose qui est très très importante, notamment quand on fait de la cuisson sous vide, c'est de bien maîtriser cette courbe temps-température, et notamment cette durée quelque part où on va sortir le produit, le laisser refroidir. Là, je m'adresse principalement aux professionnels, mais aussi aux gens qui font la cuisine chez eux. Le service d'hygiène, de réglementation, a tendance à dire qu'il faut descendre la température rapidement, de plus 63 à plus 10 degrés en 2 heures, etc. Ne cassez pas les produits en les mettant dans quelque chose de trop froid. On va le laisser pendant 20 minutes, une demi-heure à cette température-là. Dans une demi-heure, on le mettra dans de l'eau froide à 12-13 degrés. Et ensuite, on refroidira tout doucement pour arriver à la fin de ces 2 heures à la température qui est indiquée. Pas d'inquiétude, la valeur pasteurisatrice, ça va continuer à cuire, ça va continuer comme ça à s'améliorer. On aura un produit qui sera de mieux en mieux. Voilà. Donc, on va maintenant sortir la terrine parce qu'on a atteint nos 2 petites minutes. Voilà. Et on va tranquillement laisser cela ici à refroidir. Et tout à l'heure, on le mettra au froid. Et on se retrouvera dans une prochaine émission quand on va ouvrir le foie gras pour le déguster avec vous. Et peut-être, si jamais on a la possibilité d'avoir avec nous Pascal Leonetti pour faire une dégustation de vin avec, ça serait fantastique. À très bientôt. Je vais vous laisser maintenant avec Jean-Michel Truchelu qui va nous rejoindre bientôt pour petite explication un peu historique sur le foie gras. Merci et à très bientôt sur Chef en ligne.